Nous, c'est Claire et Antoine. Après avoir voyagé en Indonésie pendant plusieurs mois, de Java à Bali, nous arrivons en Thaïlande pour de nouvelles aventures. Coucou tout le Hello! monde! Bienvenue dans ce nouveau vlog à Phuket. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ouais, On a bien dormi, on a bien mangé. on s'est familiarisé avec l'île. Du coup, on a décidé de louer des scooters pour 3 jours. Et avant de les louer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Il nous attend pour 10 heures. Hello. Yeah. On remplit les papiers comme d'habitude. Voilà les bêtes. Good. On paye 900 bahts pour les deux scooters pour 3 jours. Thank you. Kampong Kap. T'es prête? Fais coucou. C'est reparti mon Tiki. Bon, avec notre habitude de tomber en panne, on préfère faire le plein direct. Ça va les premiers kilomètres, Claire? Ouais, faut s'habituer au nouveau scooter, mais c'est cool. Il se manie pas trop pareil que... Enfin, si, c'est un guidon, mais faut un peu plus de force que celui de Bali. Ah oui? On a fait bonne route jusqu'à Merlin Beach. C'était très rapide. Ouais, à peu près 15 minutes, je sais pas, même pas. Oui, à peine. Donc j'ai tout l'équipement, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a une petite plage où apparemment on peut faire du snorkeling. On va essayer ça. C'est une petite plage toute mignonne. Enfin, c'est à côté d'un resort, c'est ça? Ouais, en fait, c'est juste à côté du Merlin Beach quelque chose. Et en fait, il suffit juste de prendre un petit chemin de cailloux sur le côté. Mais en fait, on y a fait de, bah, sur le côté, on peut quand même profiter de la plage qui est toute mignonne. Alors Claire, as-tu vu de la poiscaille? J'ai vu de la poiscaille, j'ai vu du cucumber de mer. Normalement vous l'avez vu. C'est-à-dire que l'image n'était pas trop mauvaise. Un gros cucumber de mer dégueulasse. Mais c'est cool ici. Bon, il n'y a que des petits poissons par contre. Oui, mais il y en a plein, c'est les premiers qu'on voit. Ouais. Donc ça c'est sympa. Et l'eau, bah l'eau bah, égale à elle-même. Hein. Elle nous bouge un peu. Très bonne. Elle est très très bonne. Elle me paraît plus salée, alors ça n'a rien à voir, mais elle me paraît plus salée. Et elle remue un peu, mais elle est très bien. La plage est cool. Et je ne vois pas. Ouais. Ça fait du bien d'être dans la jaille. On a bien chaud. Oui. Le soleil prend toute la journée. On va pas tarder à se bouger à Caron Plage. Donc c'est entre Patong et Kata. On va aller voir ça. Après un petit quart d'heure de route, on vient d'arriver à Caron Plage et là il est l'heure de manger, donc on va se trouver un petit endroit pour notre déjeuner. On a trouvé un petit resto, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'ouverts à Caron. Là où il y a un peu de monde. Oh, on va pouvoir jouer au puissance 4 en attendant nos plats. C'est la terre rouge, je prends les jaunes. Bah voilà, ouais, vas-y. On vient de se faire servir à manger. Pour changer des yellow noodles. Petite variante aux crevettes. Crevettes pour Claire et légumes pour moi. Bon app. On vient de terminer de manger et donc là on traverse juste la route et on va direction la plage pour un autre bain. Oh, les couleurs du sable, c'est ouf. Il n'y a pas un pet de don et il n'y a pas grand monde non plus. C'est magnifique, c'est
Waouh. De moi quand je me faisais démonter par les vagues, mais il tient pas debout non plus hein. Ouais c'est genre allez voilà c'est ça, perds ton maillot de bain. Notre session vague est terminée à Caron. Du coup, Aqualand. C'est ça. Là, on a fait notre sport de la journée, punaise. Ouais. Il y avait du courant quand même. Hein. Et on va prendre la direction de Big Buddha. Alors, on espère qu'on va pas avoir trop de pluie, mais bon, c'est gris. On va voir parce que le ciel est quand même assez gris. On va essayer. On va verra essayer. Bien. Ça y est, on a fait route jusqu'à Big Buddha. On le voit juste devant nous là. On a mis une trentaine de minutes à peu près. Ouais, depuis Caron. Ça monte. Mais ça se fait très bien. Hein. La route est nickel. Et en ce moment, on n'est pas gêné par les gens. C'est ça, par la circulation, c'est clair. Donc pour information, Claire a dû aller chercher son sarong et quelque chose pour se couvrir les épaules. Ouais. Parce que pour rentrer, il faut avoir les épaules et les jambes couvertes pour les filles. Petit check-up température et cabine de spray. On va se faire asperger par... antivirus, je pense. Et là, on est rentré dans l'enceinte. Donc en plus de voir Big Buddha, on a une vue sur la baie. Et le port de Chalong. C'est ça. C'est beau. Bon, on va quand même vous montrer Big Buddha. Il est juste derrière, le petit gars. Le petit. Alors pour information, Big Buddha il fait 45 mètres de haut, c'est pas rien quand même. Ouais. Et il est recouvert de millions de petits morceaux de marbre blanc. C'est sur ce magnifique Big Buddha que se termine ce vlog. On espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, encouragez-nous et laissez-lui des pouces bleus. Ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. Et puis bien sûr, continuez à vous abonner, activez la petite cloche comme ça à chaque vidéo, vous serez averti. C'est l'heure maintenant pour nous de rentrer à Patong et on va sûrement aller se faire masser. On vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.